And first of all, I would like to express my pleasure and honor to attend this DigiTech Summit 2022. And for Huawei and our ICT and strategy, we are just match and Morocco the whole the countries and digitalization and strategy. So the next time we will just arrange the best resource to make this two very important project. The first one, an ICT talent, and then another one, Spark. We will just push off the best resource to make this two projects and process to do well in the next step. Our target is very clearly in Morocco. We will just make the and Morocco the tomorrow to be the digital Morocco. Finally, so glad to attend this event again. Thank you. Ravi donc de partager avec vous donc ma joie. Donc c'est le premier écosystème, donc le premier digital écosystème summit que nous lançons ici au Maroc en partenariat avec le gouvernement, en partenariat avec trois ministères. Alors le but c'est d'apporter notre soutien à la société Huawei à la formation des talents et également lancer un deuxième programme qui s'appelle Spark pour le soutien à l'écosystème marocain. Alors ce qui est important c'est que c'est un programme que nous démarrons ici au Maroc et je suis ravi de voir des partenaires avec nous qui ont déjà signé avec nous l'accord pour le programme Spark. Donc nous avons signé, comme vous venez de voir aujourd'hui, avec Technopark, avec Smith, avec Massir, également avec l'OSIM. Donc on va mettre en place une comité d'exécution, une comité de sélection pour faire un appel candidature aux startups marocains et après nous allons sélectionner un certain nombre de startups et nous allons les accompagner physiquement. Donc, nous allons les accompagner pardon, techniquement et financièrement pour sortir les meilleures startups d'ici la fin de l'année. Et après, donc, Huawei donc, s'engage à ce que ces startups-là, on va les aider à internationaliser leurs services par le biais de la plateforme de Huawei Public Cloud.